Bonjour, bienvenue pour notre quatrième séance qui s'articule autour du renforcement des épaules et du gainage. Pour aujourd'hui et pour cette séance de renforcement musculaire du haut du corps, vous avez besoin d'un Swiss ball. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre une chaise. Vous avez besoin d'une paire d'haltères de 1 kg, ça suffira. Si vous n'en avez pas, allez regarder dans votre placard et je suis sûr que vous allez trouver au moins deux paquets de pas de 1 kg. Puisque dans les supermarchés, tout est vide, donc ils sont bien quelque part. Donc vous pouvez prendre, ça fera très bien l'affaire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, séance axée sur le haut du corps et principalement sur les épaules. L'avant des épaules, le faisceau moyen et l'arrière des épaules. Alors pour le faire, nous allons réaliser 3 séries de 10 répétitions et avec 4 exercices. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez les faire sur le Swiss ball, sur une chaise, avec des poids d'un kilo ou alors avec des pattes d'un kilo. À votre convenance. Petit échauffement, jambes semi-écartées, vous allez lever les bras, flexion des avant-bras 90 degrés et vous allez basculer vers l'avant et revenir en position initiale. 10 répétitions. 4. Vous devez sentir une petite tension au niveau de votre épaule. 9. Et 10. Je mets les mains sur les épaules, je fais mouvement vers l'avant avec toujours recherche d'amplitude. Lentement, mais avec une certaine amplitude vers l'arrière. Pareil, recherche d'amplitude. Mobilisez toute l'épaule. Très bien. Bras tendus, je vais chercher à faire des ronds avec mes épaules, simplement les épaules. Voilà, je reste. Alors, si vous pouvez poser la main même sur un appui, c'est encore plus facile de bien ressentir le mouvement. Là, je n'en ai pas, donc je fais avec, ou plutôt sans. Voilà, hop, je relâche. Toujours bras tendus, cette fois-ci, petit mouvement vers l'avant. Des petits cercles. Là, vous allez tout de suite ressentir une certaine chaleur au niveau de votre épaule. Hop, je pars vers l'arrière, petit cercle vers l'arrière. Ça va commencer à chauffer, voire peut-être à brûler. Très bien. Et je relâche. Dernier exercice, cette fois-ci, grand mouvement vers l'avant. Grand mouvement vers l'avant. Vers l'arrière. Et enfin, bras droit vers l'avant. Et bras gauche vers l'arrière. Voilà. Petit exercice de coordination en même temps. 4. Super. Alors, comme je vous l'ai dit, soit vous prenez vos haltères. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous êtes capable de trouver des macaronis et des coquillettes de 1 kg dans votre réserve. Et pour attaquer le premier exercice, d'accord, donc vous allez vous positionner sur la chaise ou sur le Swiss ball si vous en avez un. Et je vais faire élévation latérale. Toujours en prenant soin de m'arrêter vraiment à la parallèle par rapport au sol. Pas solliciter les trapèzes. Voilà, simplement solliciter l'épaule. 10 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà, vous pouvez reposer vos pattes ou vos poids, tout dépend. Petit en petit. Alors, vous pouvez également le faire sur le Swiss ball. Voilà, qui lui donne un petit peu plus de déséquilibre. Donc en même temps, vous êtes en train de travailler sans vous en rendre compte. Un petit travail de gainage. Voilà. Donc deuxième série. Idem. Vous allez rechercher à monter jusqu'à la parallèle. Vous pouvez faire un petit blocage arrivé en haut. Et redescendre doucement. Monter un tout petit peu plus vite. Bloquer. Et redescendre.
montez un peu plus vite, vous bloquez en haut en isométrie et vous redescendez un peu plus. Petit peu de travail d'excentrique. 4. 5. 6. 7. 9. Et 10. Et je prends cette lettre. Et on fait la dernière série. Et je vais reprendre les pattes. Voilà. Sur le Swiss ball. Hop, je remonte. Et 10. Super. Je repose les pattes. Je relâche les bras. Je vais passer à mon deuxième exercice. Je vais retourner sur ma chaise. Voilà. Je varie. Deuxième exercice, élévation frontale. D'accord, c'est-à-dire que cette fois-ci, les bras partent vers l'avant. D'accord. Et toujours idem en série de 10 répétitions. Je peux toujours opérer un petit blocage, arriver en haut, en isométrie. 5, je redescends doucement. 6. 7. 8. 9. Et 10. Parfait. Je repose les poids. Voilà, je relâche bien les bras. Je dois commencer à ressentir une petite tension au niveau de l'épaule, plutôt vers l'avant. Et je fais ma deuxième série. Élévation frontale, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 10. Super. Je repose mes poids et je vais faire ma dernière série là, sur mon Swiss ball et avec mes pattes. C'est parti. Je m'installe bien, je reste le dos bien droit. Je pose bien mes pieds. Alors si vous voulez peut-être même aller encore un peu plus loin sur les exercices qu'on a déjà fait au préalable, c'est de rester sur un pied. Voilà, vous êtes en isométrie, en proprioception, pardon. Voilà, un petit travail un peu plus intéressant au niveau de votre appui. Attention, c'est parti, troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je bloque. 7, 8, 9, et 10. Super. Troisième exercice, ce qu'on appelle le butterfly inversé, plutôt pour travailler l'arrière des épaules. Alors, je vais commencer sur la chaise et hop, je vais attaquer avec les poings. Je place mes bras à l'horizontale et je garde tout l'exercice, les bras à l'horizontale et je vais faire un tirage vers l'arrière. Et je reviens au point de départ. 1, 2, 3. 4. Vous allez également sentir un travail au niveau des dorsaux, forcément, qui vont à un certain moment prendre le relais. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, je pourrais mes poids. Je vais faire aller mon deuxième sur mon Swiss ball avec mes pattes. Et là, tout de suite, je vais créer un petit déséquilibre, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vais rester sur mon pied droit, encore une fois.
D'accord, je monte mes bras, je reste en isométrie et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je pose. Je souffle. Je vais faire ma deuxième série sur le Swiss ball avec mes pattes. Et je vais rester cette fois-ci sur le pied gauche. D'accord ? Je cherche mon équilibre. Voilà, je suis en plage. Je prends mes paquets de pattes. Je me place. Isométrie et j'y vais. 1, 2, 3, 4. À mon quatrième exercice. Alors, je vais le refaire aller sur le début sur la chaise. Hop. Pour le faisceau moyen faible de l'épaule, je vais positionner mes mains et mes haltères au niveau des oreilles et je vais pousser vers le haut. D'accord ? En opérant une petite rotation au niveau des bras. Hop. Pour me retrouver avec mes poids alignés et je reviens au point de départ. J'avais un appareil de téléphone à l'ancienne, bien à l'ancienne d'ailleurs. Je reviens vers le haut et je reviens pour le départ. Vous allez également sentir une petite tension au niveau des dorsaux, c'est-à-dire au haut du dos, surtout si on tire un peu plus les bras vers l'arrière. 6, 7. Sur mon Swiss ball avec mes pattes parce que j'aime bien encore retravailler sur cette proprioception. Voilà, je vais faire exactement pareil que l'exercice précédent au niveau de mon appui. Je vais rester sur un pied, je vais mettre mes pattes à hauteur des oreilles, tout va bien Fred, et je pousse vers le haut. 7, 8, 9 et 10. Et je pose mes pattes et je pose mon pied et je récupère un petit peu avant d'attaquer ma dernière série. Et cette fois-ci, je vais me positionner sur le pied droit. Je cherche mon équilibre, le pied vraiment bien posé au sol, telle une plaquette, ça ne bouge plus. Ma cheville rectifie constamment, voilà, je suis bien gainé en haut. Je prends mes pattes, oh, mes coquillettes à droite, mes macaroni à gauche, et je me positionne et je pousse vers le haut. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, et j'en ai fini pour mon travail des premiers exercices. Je vais me positionner sur les coudes pour effectuer la planche. Voilà, je reste en isométrie. Alors, l'exercice, vous pouvez toujours l'évoluer. Si c'est trop facile, vous pouvez lever une jambe, d'accord, reposer l'autre jambe et alterner à droite, à gauche, restez en isométrie toujours, bien aligné, tac, je replace, cette fois-ci, hop, sur le dos, je mets les deux pieds au sol, les genoux fléchis, je lève les fesses, je tiens la posture.
Attention, je lève le pied gauche. Je pose. Je lève le pied droit. Et je pose. Travail pour les obliques maintenant. Je me positionne comme à la plage. Voilà. Je lis mon bouquin et cette fois-ci, je lève les fesses et je reste toujours bien aligné. Je peux m'aider avec mon bras pour tenir l'équilibre ou alors le laisser le long du corps. Comme sur une cassette auto, il y a une face A et il y a une face B. C'est parti. Il est hop, je remonte. Je peux tenir avec mon bras en l'air ou alors le laisser le long du corps. L'idée, c'est toujours de rester bien aligné. Et enfin le dernier, je reste sur les coudes et je lève les fesses. Hop. Si c'est trop dur, vous avez toujours la possibilité de vous mettre sur les pieds. Jambes fléchies. Vous avez également la possibilité de vous mettre sur les bras. Voilà. Vous trouvez votre position, votre posture qui vous convient en cherchant à la tenir. Position initiale, c'est celle-ci. Et voilà, time. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu. Si vous avez des suggestions de séance, n'hésitez pas à me communiquer. Demain, ce sera repos. Hein. On va faire une petite balade. Ah non, c'est interdit. Faire un tour de vélo. Non, c'est interdit aussi. Écoutez, restez chez vous. Faites un peu de stretch. Si vous avez un chien, super, vous allez pouvoir faire votre petite sortie. Sinon, toujours respecter les gestes barrières et le confinement. Voilà, c'est tout le moins longtemps possible. On se revoit lundi.